Salut à tous, c'est Karel et bienvenue sur ma chaîne Codaleia. La semaine dernière, je vous proposais un top 10/11 de podcasts sur l'écriture et il se trouve qu'on m'a demandé si j'avais d'autres suggestions en matière de podcast à faire et je me suis dit, tiens, c'est parfait comme nouveau thème de vidéo et c'est ce que je vais vous faire ici en vous proposant une sélection de podcasts que ce soit sur des thèmes sociétaux, féministes, mais aussi artistiques, des divers, du divertissement, il y en aura pour tous les goûts. Et comme il y en a une bonne vingtaine, je vous propose qu'on y aille tout de suite, on ne perd pas de temps. Allons-y. Alors en tout premier lieu, je voulais aussi vous rediriger vers la vidéo de Wolfagram. Donc c'est un youtubeur qui fait notamment des vidéos sur le bullet journal, qui fait de très beaux bullet journal d'ailleurs. Et il avait fait une vidéo justement sur les podcasts qu'il écoute, qui ne loupe jamais. Donc vous retrouverez évidemment des podcasts en commun entre donc cette vidéo et la sienne. Mais il y a aussi d'autres podcasts que lui propose que moi je ne vous proposerai pas ici. Donc je vous renvoie vers sa vidéo si ça vous intéresse. Il y a aussi d'autres pépites que vous pourrez découvrir de son côté. Donc je vais commencer cette vidéo sur les autres podcasts en rajoutant un podcast sur l'écriture. Il se trouve que lorsque j'ai sorti donc la dernière vidéo sur le podcast d'écriture, il y a Camille David qui est venue me dire « Eh, il y a le mien aussi !» Je fais « Ouais, génial, je vais écouter ça !» Il s'agit du podcast « Écrire sans rature » et il se trouve qu'il était dans ma liste de podcasts, dans mon lecteur de podcasts, mais je ne l'avais pas encore écoutez, tout simplement, c'était dans ma to-do list, mais je n'avais pas encore jeté une oreille dessus. Et grand mal m'en a pris, puisqu'en fait, là, je viens d'écouter, je sais pas, une quinzaine d'épisodes depuis 3 jours. Et c'est un des podcasts qui aurait très, très, très certainement eu sa place dans l'autre vidéo sur les podcasts d'écriture. C'est un podcast, donc, où Camille nous apporte quelques éclairages sur des points précis autour de l'écriture, que ce soit, je sais pas, l'écriture de description, ou alors créer sa bulle créative pour essayer de se mettre vraiment dans le flou créatif, mais elle propose aussi donc sa vision de la chose et elle propose également ce que j'ai trouvé aussi extrêmement intéressant qui est proposé dans d'autres podcasts également comme celui de Christelle ou comme celui de Sarah Werner, mais elle propose également des interviews autour de d'auteurs et d'autrices, alors que ce soit des auteurs, des écrivains, des romanciers, etc., mais aussi des gens qui écrivent pour des choses complètement différentes. En tout cas, je vous conseille d'aller jeter une oreille à ce podcast, j'ai adoré, perso. Maintenant, je vous propose qu'on s'attaque au podcast autour de l'art, du dessin animé, du webcomic. Spoiler alert, s'il y en a quand même qui sont beaucoup en anglais, j'en écoute énormément en anglais. Alors, il y en a sans doute en français, mais je ne les connais pas tous. Donc, si vous avez des suggestions donc en matière de podcast artistique ou tout autre podcast, c'est dur à dire. N'hésitez pas à laisser vos suggestions de podcast là en dessous, je me ferai un plaisir d'aller jeter moi aussi une oreille. Alors je vais commencer cette catégorie de podcast par le podcast 3 Point Perspective, qui est un podcast qui est géré par Jake Parker, qui n'est nul autre que le papa de Inktober, par Will Terry, un illustrateur indépendant, et par Lee White, un autre illustrateur indépendant. Et ce qui est vraiment très chouette dans ce podcast-ci, c'est que ça montre three point perspective, c'est-à-dire la perspective de 3 personnes différentes autour de qu'est-ce que c'est un illustrateur freelance, à quoi il se frotte. Alors évidemment c'est dans la situation des États-Unis, mais je pense que ça pourrait être assez similaire sur certains points, en tout cas à la France. Il donne énormément de conseils à des jeunes artistes qui se lancent, à des choses à peut-être ne pas faire, en tout cas à essayer d'avoir un bon état d'esprit pour essayer de se lancer et de faire une carrière longue, de ne pas se décourager, etc. Et on a vraiment, donc comme je vous disais, trois sons de cloche différents, puisqu'ils ont chacun une carrière différente. Jake Parker qui a travaillé aussi dans l'animation, Will Terry qui fait beaucoup d'illustrations de livres pour enfants par exemple, et Lee White qui lui par contre il me semble est beaucoup plus illustrateur et en fait artiste peintre et qui vend ses tableaux à des conventions ou dans des galeries, ce genre de choses. Donc on a vraiment 3 points de vue différents, d'où le nom du podcast, et il me semble qu'il est en fait jumelé à un site un petit peu similaire à Schoolism, enfin un site qui s'appelle SVS Learn. De toute façon vous aurez tous les liens en barre d'infos. C'est un petit peu le podcast explicatif de ce site d'apprentissage. Vous avez, je sais pas, une cinquantaine facile d'épisodes en ce moment que je ne peux que vous conseiller puisque c'est extrêmement émotivant et inspirant, etc. Surtout si vous êtes comme moi, dessinatrice, ou si vous vous intéressez à ça. On va rester dans le dessin maintenant, je vais vous parler du podcast des frères Bancroft. Donc c'est le Bancroft Brothers Animation Podcast, donc les frères Bancroft, je ne sais pas si vous les connaissez, mais ce sont donc 2 frères jumeaux qui ont tous les deux travaillé au même moment chez Disney, et ils sont, en tout cas il y en a un qui est le papa de Mermaid. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu ce challenge-là qui consiste à dessiner une sirène par jour pendant le mois de mai, et son frère...
aussi a fait notamment, je crois, c'est Pumbaa. Donc il y en a un qui a designé Pumbaa et l'autre qui a designé notamment Mushu, donc Mulan et le Royaume. Donc en tout cas, ils sont toujours dans l'animation. Je suis plus sûre, je crois pas qu'ils soient chez Disney encore, mais voilà, ils tournent autour de l'animation et leur podcast à eux. Il s'agit en fait d'interviews de gens qui sont dans le métier, à n'importe quel poste de travail. Dans toutes les grosses boîtes de Disney, de DreamWorks, etc. Et donc on a donc des interviews de plein d'artistes, de plein de talents qui parlent un petit peu de leur parcours dans le métier, comment ça s'est passé pour eux, etc. Et c'est à chaque fois très éclairant sur le parcours et sur le comment ça se passe aux États-Unis, parce que bon, il y a un côté un petit peu ils travaillent tous chez Pixar, chez Disney, chez DreamWorks, etc. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des artistes plus indépendants comme Loïc, je crois, comme bien d'autres artistes aussi, même si il y a le côté très policé, on va dire, de très américain au niveau de ils s'envoient des fleurs à chaque fois tout le temps en disant que mais vous êtes le meilleur, arrêtez. Au-delà de ça, c'est une source d'information et une source de motivation aussi pour les jeunes artistes en devenir ou les artistes en général comme moi qui ont du mal des fois à trouver leur place, c'est un podcast qui vous aide aussi à avoir une petite idée de comment ça se passe dans le métier et essayer de trouver les personnes et de voir un petit peu quels sont leurs parcours dans ce métier-là. Je continue avec un autre podcast, il s'agit de The Honey and Absinthe Podcast. Il est mené par Janet et Vincent et ils ont été, en tout cas Janet a été connue entre guillemets sur YouTube puisque Janet c'est une ancienne storyboardeuse de chez Disney qui a annoncé sur sa chaîne YouTube pourquoi elle démissionnait de chez Disney pour se lancer dans une carrière solo, pour se lancer en fait en indépendante. Donc maintenant elle fait du merchandising, des commissions et surtout de l'appareil, c'est-à-dire du t-shirt, etc. En tout cas du vêtement avec ses dessins dessus. Ils se sont lancés, donc Vincent, son compagnon, qui lui est un background designer, donc quelqu'un qui dessine les décors donc dans une boîte d'animation, je ne sais pas trop laquelle c'est, mais en tout cas, les deux étaient dans l'animation et il y en a un qui est resté, l'autre qui est parti. Je vous conseille d'aller voir leur chaîne YouTube aussi, puisque vous avez aussi des timelapses, des walkthroughs, etc. Mais donc ils ont un podcast avec des épisodes qui sont assez longs quand même, plus d'une heure en général chacun, qui reviennent à chaque fois sur un thème autour de l'animation, autour du dessin, autour des écoles d'art qui sont extrêmement chères aux États-Unis, par exemple, comment est-ce qu'on pourrait trouver des alternatives, etc. Et puis des sujets un petit peu plus, sporadiques comme ça et plus précis, ou par exemple la différence qu'il peut y avoir entre le traditionnel et le digital. Et ils ont à chaque fois donc un thème sur lequel ils vont discuter pendant quasiment une heure avec leurs différents points de vue, leurs différentes personnalités. C'est un couple, hein, donc ils sont vraiment baignés dans ce monde-là, dans ce milieu-là, les conventions, etc. Et voilà, moi c'est un podcast que j'ai découvert donc au moment où justement Janet, ou sa vidéo où elle annonçait son départ, sa démission en fait de Disney, avait fait un gros buzz. Et en tout cas, moi ça m'a intéressé à ce moment-là, j'ai commencé à y suivre aussi à ce moment-là, et c'est toujours un podcast que j'écoute. Alors, on peut l'écouter en podcast audio et on peut aussi donc voir en fait la vidéo donc avec eux qui parlent sur leur canapé, donc le même podcast mais avec cette fois-ci l'image aussi. Donc c'est une autre manière un petit peu de voir le métier. On continue dans les podcasts en anglais, je vais vous parler du DA Podcast ou du DeviantArt Podcast. Alors DeviantArt, c'est l'un des plus vieux, je pense, sites où les artistes pouvaient poster leurs dessins. Moi j'ai commencé à poster sur DeviantArt, je crois que c'était en 2003, 2004, c'est 2002 peut-être même, je sais plus, c'est extrêmement vieux. J'y suis toujours, même si j'y suis beaucoup moins depuis que je suis sur Instagram, pour tout vous dire, et je pense que c'est le cas de bon nombre d'artistes qui ont un petit peu quitté le bateau, on va dire, et qui a perdu aussi beaucoup d'artistes au fur et à mesure que Tumblr est né, que Instagram est né notamment, et ils avaient besoin comme ça de se remettre un petit peu au goût du jour. DeviantArt récemment a lancé une nouvelle version de son site qui se voulait un petit peu plus up-to-date, et je pense que c'est à peu près à ce moment-là qu'ils ont lancé donc leur podcast. Donc pareil, que vous pouvez voir
à la fois en audio, donc via leur podcast normal, et que vous pouvez aussi voir en vidéo sur leur chaîne YouTube. Et donc là, nous avons un employé de DeviantArt, je ne le connais pas personnellement, mais qui reçoit donc à chaque podcast un artiste différent qui va raconter un petit peu sa relation à l'art, comment est-ce qu'il est rentré dans le métier, sa relation évidemment avec DeviantArt, comment ça s'est passé pour lui, etc. Et de voir justement comment, pour chacune de ses personnalités, chacun de ses artistes, comment ils se sont un petit peu forgés, comment ils ont utilisé aussi DeviantArt à l'époque, il y a longtemps, et comment leur carrière a fleuri et s'est développée avec le temps. Et pour l'instant, on en est, je pense, à une vingtaine d'épisodes en tout. Et là aussi, c'est très à l'américaine, donc c'est beaucoup de beurre tartiné sur tout le monde. Tout le monde est génial, tout le monde est grandiose, etc. Mais voilà, si on arrive à faire fi de tout ça, ça reste aussi donc des podcasts où on découvre des personnalités, où on découvre des artistes, moi, que je ne connaissais pas. par exemple, je viens d'écouter l'interview d'un artiste dont la spécialité est de dessiner donc les versions Pokémon, mais versions ultra réalistes, comme si c'était des dinosaures, quoi. Et donc le gars est spécialisé dans tout ce qui est dinosaures, et j'en suis sûre en fait, qu'il a participé au visual art de Détective Pikachu, et je me demande s'il a pas non plus participé à tout ce qui est visual development de Godzilla, par exemple. Donc voilà, on a des gens qui ils ont commencé sur DeviantArt à faire des Pokémon et qui finissent par travailler dans les films, quoi. Donc il y a un petit peu une success story qu'ils expliquent un petit peu comme ça, qui fait rêver hein, les wannabe artistes, etc. Et bon, il y a toujours des choses qui sont à prendre et à laisser, c'est toujours intéressant d'avoir des sons de cloche comme ça, un peu différents, et de voir comment ça se passe ailleurs. Donc même si DeviantArt commence à être un petit peu laissé sur le bas-côté de la route par rapport aux autres sites, moi ça reste un site qui reste très cher, parce que c'est là où j'ai posté mes premiers dessins sur lesquels je les montre un petit peu au monde entier. Je pense que c'est le cas pour pas mal de dessinateurs, etc. Et donc si ça vous intéresse, sachez qu'il existe un podcast DeviantArt. Je continue avec Draftsman de Proko et de, je ne sais plus son nom, c'est Marshall Van Drift et Studio 71. C'est un podcast pareil que vous pouvez voir en live sur la chaîne, je crois que c'est la chaîne YouTube de Proko. Donc Proko, c'est je dois avoir mon portable pour lire son nom, parce que c'est un peu compliqué. Stan Prokopenko, qui est un artiste qui est assez connu sur YouTube, et donc qui fait ce podcast donc avec un autre artiste, où pareil, tous les deux parlent de ce que c'est un artiste en ce moment aux États-Unis, de plein de thèmes différents autour du dessin, des études, etc. Mais là, on a vraiment peut-être aussi un point de vue de gens qui sont des quarantenaires, voire un peu plus pour Marshall, qui est un petit peu plus vieux, et de voir comment donc l'évolution du métier a aussi influencé des changements de carrière ou des changements de formation aussi, avec les gens qui se mettent au digital, qui peut-être ont commencé en tradi. Proko aussi est un youtubeur qui propose des vidéos, notamment autour de l'anatomie, pour apprendre à dessiner des pieds, pour apprendre à dessiner des mains, le muscle, le haut du torse, le bas du torse. Enfin bref, c'est hyper hyper intéressant. Je vous conseille d'aller voir si vous dessinez, vous pourriez faire vraiment de très très belles choses, notamment si vous voulez étudier l'anatomie. C'est un podcast que j'ai encore peu écouté, mais il y a déjà beaucoup beaucoup d'épisodes. De toute façon, j'écoute tellement le podcast, vous pouvez vous en rendre compte, que je ne peux pas tout écouter, ça prend du temps, mais en tout cas, si ça vous intéresse, sachez qu'il existe. Maintenant, on va passer au podcast en français, toujours dans la catégorie artistique, et je vais vous parler des rencontres créatives. Donc la rencontre créative, pour l'instant, il y a peu d'épisodes, pour l'instant, je pense qu'on en est à 4 ou 5, pas plus, ou même peut-être un petit peu moins. Il est animé par Victor Baudard, qui est, je crois, un photographe en freelance, et moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce podcast, c'est que il invite des artistes freelance, donc des artistes vraiment, que ce soit
dans le web, que ce soit donc d'autres artistes autour de la photo, des artistes illustrateurs, et qui parlent un petit peu de leur parcours de freelance, de leurs difficultés de commencer, de comment ça se passe pour eux en ce moment, peut-être des écueils qu'ils voudraient faire éviter aux autres qui commencent à peine leur carrière. C'est tout un état d'esprit d'entrepreneuriat qui moi en ce moment me parle pas mal, qui donne aussi des clés pour justement donner envie de se lancer et ne pas lâcher, ne pas avoir peur, ou en tout cas de gérer sa peur pour le mieux. Et c'est vraiment un podcast que j'ai beaucoup apprécié et j'espère qu'il y en aura d'autres parce qu'il y a pour l'instant peu d'épisodes. J'enchaîne avec un autre podcast sur l'animation, toujours en français encore. Il s'agit de Postclé. Alors Postclé est un jeune podcast pour l'instant qui n'a que 5-6 épisodes, ou peut-être 7-8, je sais plus. Enfin, il y en a moins de 10, ça c'est sûr. Postclé est un podcast sur l'animation et donc ils sont une bande de 3-4 personnes qui discutent donc dans chaque podcast en long, en large et en travers, puisque les podcasts durent au moins entre 50 voire plus d'une heure, 50 000 plus d'une heure. Ils parlent à chaque fois d'un dessin animé, et par exemple là j'ai écouté le premier pour l'instant, et ils parlaient notamment de Frozen, enfin de La Reine des Neiges 1 et 2, en donnant justement leur avis de gens qui, je pense, travaillent dans l'animation, et puis aussi de voir comment ce dessin animé a été créé, par qui, par quoi, la vie de ce dessin animé là, quelles ont été au niveau marketing, quelles ont été ses récompenses, par qui a été fait, etc. Quand on est comme moi dans le cinéma d'animation, je pense qu'on est toujours très intéressé par ce genre de choses, et il y en a peu en français, donc ruez-vous si ça vous intéresse sur ce podcast pour en savoir un petit peu plus. Il y a des épisodes, je sais qu'il y en a un sur Paprika, donc il y a de la Japanimation aussi, donc La Reine des Neiges, évidemment il y en a un sur Shrek aussi je crois, donc n'hésitez pas à aller y jeter une oreille, je pense que c'est passionnant. Et je vais finir cette partie sur donc les podcasts artistiques en vous parlant de Podcase. Donc c'est un podcast sur le webcomic qui est animé par Jackpot et Yiha. Et c'est un podcast, donc comme je vous disais, sur comment est-ce qu'on fait du webcomic. Alors le webcomic, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, si vous allez sur des sites comme Webtoon, enfin c'est celui que je connais le plus, Webtoon. Tout simplement, ce sont des BD, donc des bandes dessinées qui sont faites exclusivement pour le support numérique, que ce soit sur ordinateur, sur tablette ou sur smartphone, que vous pouvez lire comme ça, donc sur un support numérique. Donc le format est extrêmement différent par rapport à un format sur papier, puisque là le découpage est forcément différent par rapport à une version papier, puisque là en fait on scrolle pour faire avancer les cases et la narration, et donc forcément la lecture est vraiment très très différente, et ça peut être carrément un média un peu transmédia, puisque il y a souvent des webcomics que je lis où on peut rajouter de la musique, on peut rajouter aussi des gifs. Il y a certaines fois des cases qui peuvent être animées, ce qui n'est évidemment pas possible sur une BD en papier. Et ce qui est vachement chouette aussi, c'est que le webcomic est une scène qui est très 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 robuste et vivante en ce moment, puisque n'importe qui peut faire son webcomic et le poster sur des sites donc comme Webtoon ou comme d'autres insérés ici, d'autres fournisseurs de webcomics. Alors il y a des webcomics qui sont plus pro, on va dire, avec des webcomics qui sont plus amateurs. Vous pouvez avoir des webcomics vraiment de tous les thèmes divers et variés, de la fantasy, de la romance, de tout ce que vous voulez, même des tranches de vie, un petit peu comme on avait eu, comme les blogs, enfin les bandes dessinées sur blog. Donc c'est vraiment la suite logique. Et ce qui est vachement chouette en fait avec ce podcast donc de Yiha et de Jackpot, c'est que déjà elles, ces deux filles, font des webcomics de leur côté, donc ce sont des filles qui savent de quoi elles parlent, et dans ce podcast là elles vont expliquer de A à Z comment est-ce qu'on fait un webcomic pour les gens qui ne savent pas. Elles donnent des clés sur le scénario, sur la création des personnages, sur le découpage aussi, qui est vraiment, comme je vous disais, très spécifique au webcomic, sur tout ce qu'on peut améliorer, tout ce qu'on peut faire, etc. Donc si ça vous intéresse, déjà comment est-ce qu'on fait un webcomic par pure curiosité, ou si vous, ça vous intéresse parce que vous voulez en faire un, franchement n'hésitez pas à aller jeter une oreille à ce podcast, ça va vous donner des idées de ouf. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour vous parler donc de sujets un petit peu plus costauds, puisque là ce sera des podcasts sur les sujets sociétaux, féministes, etc. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo, et comme d'habitude, prenez soin de vous, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire là-dessous si ça vous intéresse d'en discuter, si vous avez des suggestions de podcasts que je ne connais sans doute pas, n'hésitez pas à me les laisser là-dessous. Comme d'habitude, tous les liens seront dans la barre d'infos, et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao !
Thank you.